Bonjour, c'est Oko 38. Bienvenue sur le jeu Animal Terror of Rome, la terreur de Rome, série Aléa Exacta, guerre punique, première guerre punique, jeu Aegeon, Motor Age, Wargames Antiquité, Let's Play, épisode 4 sur le scénario Rome contre Hannibal. Donc, jeu de simulation stratégique, historique, empire romain, jeu complexe. Vous allez jouer de longues heures sur cet excellent wargame, je vous le promets. Nous allons donc continuer le jeu. Et donc, on va commencer à lire tout ce qui est notifié sur les messages ici. Alors, décision route en cours. Ah, c'est long à construire, hein, je vous le dis. Des agents de Rome ont démarré une campagne pour construire des routes en Aquénum. Le nouveau réseau de transport de la région est amélioré. Il y a maintenant des routes. Ah, c'est bon, on va pouvoir beaucoup mieux circuler si ici toutes les routes sont construites. C'est pas vrai. La décision de transport économique n'est pas valide. Il aurait pu me dire avant. Ici, un toit de commerce a ramené des denarii, donc ça nous rapporte de l'argent. Ici, l'ennemi a été mis en déroute lors de la bataille de Camarina. Oui, Carthage a essayé de débarquer sur Camarina. Ils ont donc été repoussés, mais ils sont quand même partis sur ici. Et qu'ici, sur l'Elibaum, et là il va falloir que je fais. J'ai donc une petite armée avec une légion, avec des réguliers et des chars de transport. Donc je vais revenir ici. Concernant les unités, je peux pas construire, c'est à cause. Oui, je peux construire des unités. Ah, je peux plus là. 507. Alors ici, oui, je pourrais construire ici, mais ça m'intéresse pas trop. Regardez où on est balai. Pour l'instant, il n'est pas en vue. Ok. Ouais, toute façon, je sais plus. Si, il me reste 507. Je vais regarder. Oui, donc il y a pas mal de renforts qui ont été demandés. Ici, vente des prisonniers. Coût 2500 prisonniers, 200 denarii. Oui, c'est intéressant. Ça va me faire apporter de l'argent. Donc ça, c'est bon. On va regarder ici ce qu'on peut faire. Pacification, donc ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Donc ici on revient sur les messages. Alors ici, capture de prisonniers. Alors, monsieur, la garnison de Agrigentum, de la région d'Agrigentum, a été mise en alerte au jour 2.
Alors, si quelquefois t'as subi des dégâts. Et ici, on devrait avoir, voilà, la flotte. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. On a un dépôt, mais bon, pas très suffisant. Donc, on va sur la flotte, on va embarquer ce général. J'aurais peut-être pu. Je vais le laisser ici. Avec une légion. Voilà. On va le laisser ici, donc on va laisser un commandement avec une légion pour protéger ses côtes. Le restant, ça va revenir sur l'Italie. Ça vaudra mieux. Alors, ici. Donc ça, c'est bon. De ce côté-là. De force ici pour pouvoir stopper un animal. Et ici on a une armée. Voilà, on va laisser. Comme ça. Cette armée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 légions. Pourtant. C'est quoi? On va les faire partir ici. Donc c'est bon. On a 507 en argent. On va laisser faire l'IA. Et on va voir au prochain tour qu'est-ce que ça va donner. Donc le but maintenant, hein, c'est de reprendre ma grande armée qui est ici pour la faire revenir sur Rome. Rome. Donc c'est fait une très grande armée qu'on va faire partir. Bataille de Agrigentum, victoire romaine. C'est bon. Donc ils ont éliminé les Carthageois. Très bien. Et ici, donc et ces troupes, on va les faire
C'est marqué ici. Voilà. Ça, ça sera bon. Et ça, c'est quoi? C'est des pirates. Toujours, on va les mettre en combat. Et eux, on va les mettre également. Ici, cliquez pour ouvrir votre flotte d'intercepter des flottes des ennemis. Et c'est la même chose. Avec ici, en train d'intercepter les flottes qui sont proches. Donc on va essayer d'éliminer en même temps les pirates, ce qui est pas plus mal. Bon, ici pour l'instant il se passe rien. On va voir. Pour l'instant je peux pas faire trop. 715. Je vais pas trop demander parce que ce qu'on pourrait faire. Niveau des troupes, j'en ai déjà beaucoup. Ici, ça serait bien de demander la pacification, obtention de contrôle militaire, mais sans unité de combat, réduire le risque de révolte. Ça peut être intéressant. Si par exemple. Après, c'est tout ce côté-là. Ici. Bon, c'est bon. Si on a des mercenaires. Pour l'instant ici ça me paraît bien. Je sais pas si Carthage va continuer encore à nous attaquer. On va voir. Dirachium. On pourrait t'attaquer, hein, non? On va essayer de. Pas mettre des troupes comme ça ici, donc on va passer notre tour et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais pas trop dépenser parce que ça coûte très cher les légions. Il faut pas essayer d'en mettre trop, voyons ici, les terres sont en train d'être attaquées. Et encore les pirates. Chargement du fichier maître. Alors ici, bataille de Farosenzola, victoire romaine. Ce sont donc des bateaux. Ah, je pense qu'ils ont été éliminés. J'espère. Ça a été efficace, je crois. On va voir. Ici, on a notre armée. Qui est donc sur. Et ici je vais demander. D'améliorer. Non, je peux plus. C'est quoi? Triomphe en parade, réduire en esclavage, imposer des réquisitions,
diversification. Des représailles. Ok. Donc là, c'est bon. Là, il faudrait que je demande si j'ai une flotte. On va la faire mettre au port pour qu'elle puisse récupérer. Ça semblait pas mal. Si on est armé, on va voir si on va pouvoir embarquer. Il n'y a pas de navire de transport, donc je vais sans doute faire des navires de transport ici. Alors ici, s'il y en a. Alors, un navire de transport, c'est ici. Oui, c'est du transport. Je vais en demander 1, 2, 3. Je vais en demander 4 parce que je pense que j'en avoir besoin ici pour emmener par ici. Voilà donc. Ici, alors ce bateau, je vais faire aller en port. Et cela. Matin, je reste méfiant hein, parce que je suis pas sûr que tous les pirates aient été tués. On va voir ici sur les messageries, campagne pour pacifier les habitants de Yol. D'accord. C'est important, hein, pacification des habitants de Cestia. Du réseau de transport de la région est amélioré, il y a maintenant des routes, oui, voies de commerce. Alors ici, c'est, nous avons échoué à accrocher la force adverse 34, Cestrati, dans la région de Cess, chance de réussite 4%. Alors nous avons remporté une bataille sur les pirates de Pharus. À première vue, il existe toujours. Alors, perte alors, fatigue, perte de matériel, légion, l'entraînement des hoplites presque terminé. Turn VR a été félicité pour avoir remporté une victoire sur l'ennemi, nouvelle préséance 97. Activité médiocre du Mercatus de Syracuse. Oui, 5 denarii en taxe commerciale. Bon, ça c'est fini. C'est tout bon. On a combien? 357. Donc en argent, il faut rester tranquille parce qu'on a beaucoup de choses à payer. Il faut payer les unités, les transports. Donc il faut rester attentif quand même. Donc on va attendre le prochain tour. Où sont les flottes, les armées? Bien, bien. Ça a été bouché. Alors ici. Bataille de Tarraco, victoire romaine en rapport de combat. C'est ici.
Ça commence à bouger avec Carthage. Hein? Là, ça va commencer à bouger. Ici, ça c'est à nous. On a des forces ici que je vais envoyer. Ici. On a Enzombri exercité ce mutina à Carthage en guerre avec votre faction. Ils ont quand même pas mal d'unités, ils sont très costauds. Si j'ai cette armée également que je peux envoyer ici attaquer, d'accord. Et si on a notre armée ici, on a des transports qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir justement conduire cette grande armée proche des Alpes cisalpines. Donc ce sera dans un prochain épisode, puisque ici on a une flotte et on a des forces en présence. Ici, plus de danger. Par cette région sous blocus. Ah. Africa Classis. Ça, c'est Carthage. Il me faudrait des flottes pour moi attaquer. Si on a des flottes. On a une flotte ici. Je vais le remettre. Je peux faire comme ça. Ils vont donc aller attaquer. Intercepter les flottes ici. D'accord, bon. S'il faut même on redescendra d'autres flottes parce qu'ils n'en auront pas besoin ici. Je vais faire descendre des flottes ici. Tenter d'intercepter au cas où les pirates, les carthaginois. Voilà. Donc, c'est bon pour cet épisode. Moi, je vous dis un cinquième épisode prochainement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.